Bonjour, par cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser en un tour de main de délicieuses verrines framboisières. Pour commencer, il vous faut 50 g de framboise par verrine, une mousse au fromage blanc, 100 g par verrine également, une cuillère de confiture de framboise ainsi que du coulis de framboise. Et pour finir, de la crème fouettée et des amandes effilées. Dans un bol, je commence par mélanger le fromage blanc avec la confiture de framboise. Donc je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc, comme vous pouvez le voir, le fromage blanc est beaucoup plus aérien lorsque vous utilisez une mousse. Je vais utiliser des verrines de type pot à lait d'environ 10 cm de hauteur. Je commence par y mettre les framboises. Donc, comptez à peu près 50 g par personne. Puis je vais remplir aux trois quarts la verrine de fromage blanc à la confiture. Puis je recouvre avec une petite couche de coulis de framboise. Comme ceci, c'est l'idéal. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir avec de la crème chantilly. Et quelques amandes effilées que je dépose sur le dessus, comme ceci. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Je décore éventuellement avec une petite framboise et il n'y a plus qu'à se régaler avec ces délicieuses verrines framboisières, très légères, très aériennes, que je recommande fortement car la recette est simple à réaliser et surtout mes convives adorent. Bonne dégustation !